Oui. Je crois que comme toute personne essaie de justifier leur position, font ce qu'ils veulent faire de toute façon, mais veulent encore justifier d'une façon universelle, lui aussi est tombé dans ce piège, cette piège où il exagérait un peu la moralité de sa décision. Évidemment, il avait, d'un certain point de vue, raison. Dans un public, il y a ceux qui entendent mieux, ceux qui entendent moins bien, ceux qui voient mieux, ceux qui voient moins bien. Quelquefois, il y a un public dans les grandes églises qui sont assis derrière des piliers, qui ne voient rien. L'acoustique, quelquefois, est exagérée, où on entend quelque chose de trop ou de trop peu, où le volume est trop grand, où la réverbération fait mal aux oreilles. Il a raison, ce n'est pas toujours idéal. Mais ça fait partie de la vie. Pour moi, ça existe comme élément vivant. La vie de Glenn Gould, je trouverais presque personnellement trop artificielle pour moi. Mais comme je dis, c'est parce que je ne suis pas de sa taille du point de vue créateur. Je ne peux pas me faire une vie tout seul à l'exclusivité, excluant tout le reste du monde et ne concentrant que sur cet exercice intellectuel et physique et essayant d'échapper à tous les courants d'air, protégés par un foulard, ne pouvant pas supporter que quelqu'un me touche à l'épaule. Et en même temps, il adorait aller dans les villages des pêcheurs, dans les grandes dans les distances qu'offre le Canada, ça il aimait. La nature il aimait, les hommes naturels il les aimait. Il aimait le pêcheur beaucoup plus qu'un public à New York. Glenn, we're ready for playback. Yeah, I'm going to give it to you without EQing, okay? And all the levels are flat. Ready in 3, 2, 1. Coffee? Yes, yes. Thank you.
saying this to you, it's not very good for you. You mean coffee in general or your coffee? No, coffee and cream as a combination. It's very bad for you, it's dangerous. Where did you get this?